suis-vous? Oh la vache. Oh bah Gunther qui te félicite, c'est bien. C'est bien. Du coup, on a dit que quand on se lève, on pécho le Père Noël. Missing, c'est IRL et moi, IVL. Oui, d'accord, j'ai compris. Ouais, vous êtes méchant. Bah moi, c'est le seul mode qui me fait pas bugger mon jeu. Ah bah tu vois. Non, mais d'habitude, j'ai jamais trop de problèmes avec le MC Command Center, mais là... Du coup, je me demande si... Si c'est ça ou pas. C'est à voir. On va essayer ça, hein. Ah oui, du coup, il faut que j'achète des trucs. Bah, j'ai pas de souffle. Faut qu'elle fasse un tableau aussi. En attendant que le père hiver arrive avec son pognon. Hein. Des lamures. Oui. Si, c'est lamure. Tu connais pas lamure? Des lamures partout. Pour partir. Faut que j'achète. Faut que j'offre des fleurs. Magnifique. Et merci Mahmoud Kabissa pour le follow. Merci beaucoup. Et bonsoir Fanny. Oh, qu'est-ce que t'as toi? T'es venue dire bonjour? T'as pas dit bonjour ce soir, c'est ça? Oui, t'as pas dit bonjour. Tu veux dire bonjour? Dis bonjour. Regarde. Bonjour les gens. Bon, oui, t'as pas dit bonjour. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que tu miaules? Où tu vas? T'en as marre, ça y est? Allez, hop. Oui, c'est Mune! Oui, il paraît que les enfants du Père Noël sont spéciaux, qu'ils ont un trait de caractère spécial. Je me semble que les Sims avaient tweeté à ce propos-là. Trop belle, merci! Ce chat est magnifique, merci! C'est mon petit chat à moi. Ce non-respect, mais non, mais la pauvre elle. Mais tous les soirs à cette heure-là, ou un peu plus tôt, elle vient, elle miaule, elle raconte sa soirée, donc voilà, c'est pour ça, je lui fais faire coucou, comme ça après, bah, elle file et. Non, elle est adorable. Tous les soirs, je le dis, mais c'est une perle. Elle est belle, merci! Je vous laisse, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls, bisous. Eh ben, bisous à toi, Laure Bamboule, merci d'être venue. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il est tard, hein? Je continue parce que je vois qu'il y a du monde, mais c'est vrai que c'est moi qui commence à ça va bientôt faire. Ouais, ça fait 2h30 qu'on est là quand même. Mon PC qui plante en plein game. Ah, la vieille excuse quand on est sur le point de mourir. Petit minou, oui. Petite fille, petit minou. Ça commence à faire beaucoup. Bah, la loi d'avoir une vie sociale. Bah oui, bah ça, elle a une vie sociale, hein. Tous les soirs elle sort plus que moi. Hein. Je te rassure. Elle sort plus que moi. Je suis joie. D'accord. Tu manges un bonbon. Eh, il en reste un, hein, des bonbons. Ils sont dans le placard, hein, tes crocodiles. C'était sympa ce petit goûter. Je suis triste, mon PC qui plante quoi. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Tiens d'ailleurs, hop, sauvegarde. C'est ça que je vous disais la dernière fois. Si vos PC pouvaient planter quand vous êtes en live, quand je suis en live et comme ça vous me prévenez, et du coup ça me fait penser qu'il faut que moi aussi je sauvegarde. Si vous plantez pas, je pense pas à sauvegarder et puis bam. C'est le drame. Bon, comment ça se passe avec le père hiver? Mieux qu'avec Ladislaus? Oh, pas tant que ça, hein. Mais pas en game, mais ça arrive! Écoute. Heureusement que c'est des bots. Et vous jouez jamais contre des vrais gens? Allez, on va éviter le père Noël. Répandez vos malheurs que j'évite les miens. C'est ça, Pousse! C'est tout à fait ça! C'est exactement ça! Tu m'as bien cerné. Juste, on peut pas à cause du noob. Ah là là.
Il joue à Smite. Tu peux créer une commande qui dit de sauvegarder toutes les 30 minutes si tu veux. Ouais, faudrait que je fasse ça, ouais. Mais j'ai jamais créé de commande, faudrait que je m'y penche. Bon, on va l'inviter là parce que ça avance pas beaucoup par téléphone là. Hop. Allez. Viens, Clément. Et une fois qu'il meurt, le jeu génère un autre Père Noël ou comment ça se passe? Alors, offrir un cadeau de jour de l'amour. Une tombe. Oh, je peux lui offrir une tombe, vous croyez? Oh, ça se tente. De toute façon, moi, je peux pas te le conseiller, j'y ai jamais joué. Moi, je te propose de les créer, c'est comme tu veux. Eh ben, écoute, ouais, on voit ça après. Je vais tenter de lui offrir une tombe, on va voir si ça passe. Au pire, on n'est pas amis, rien du tout, on perdra pas trop d'amitié non plus. Allez, vas-y, là. Attends, je vais voir sa tronche. En ouvrant le cadeau. Regarde! La tombe de mon premier mari. Ah bah, il est pas content. Visiblement, la tombe, c'était pas une bonne idée. Bon, c'était marrant. Jeter des confettis, jour de l'amour. Ah non, ah bah dis donc, il va commencer à être prise de tête, lui. Bon, on va devenir amis. C'était pas une bonne idée de lui offrir une tombe, en fait. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Clément était père hiver à cet endroit, le Grand Nord. Est-ce que je peux le faire emménager au moins? Parce que là, je me lance, mais ça se trouve, il n'y a pas moyen. Justement, tu viens jouer quand avec nous? Ouh là là! Je suis mauvaise en fait. Hein. Enfin, c'est pas que je suis mauvaise, c'est que je sais pas y jouer. Il est dans l'incompréhension là. Tu viens jouer quand avec nous? Bah, je sais pas. Ça se tente. Faudrait voir. Oui, tu peux, t'inquiète, je l'ai fait. Ok, merci Lisa. C'est pas grave, tu crois que Romain s'est joué. Et coucou Nélise. Alors lui il a faim. Allez, viens manger une salade. Ah oui, j'ai gagné encore là, toi tu as planté. C'est comme ça que j'ai su qu'il était riche. Ah oui, c'est vrai. Bim, Danton. C'est classe. C'est la classe. Du coup, discuter des centres d'intérêt. On va pas regarder les nuages sous la pluie parce que quand même. Mais il a l'air assez réceptif, hein, Clément. A priori, ça monte vite. Hein. Je suis mort de rire. Juste le PC qui a planté. Je sais pas pourquoi. J'ai vaincu les boss. Que tu es fort, Romain. Wow. Chante un peu faux quand même, hein. Illuminer la journée. Tu fais pas de boss. C'est juste des bottes, rien de folichon. Ah, mais c'est l'intention qui compte, il les a tués quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu miaules? Qui t'arrive? Tu veux des câlins? Bah oui, tu veux des câlins. Bah, écoute, viens. Aïe! Voilà, pose-toi là. Chut. Bah, tu veux des câlins, mais tu veux pas rester, alors va-t'en. Bah, ils t'ont fait planter. En plus, c'est la classe.
C'est fleuri, c'est un langage. Illuminer la journée, on va continuer d'avancer. Amical, complimenté. Elle veut son intimité. Elle veut des câlins, mais pas devant la caméra. C'est ça. Bon, Clément va s'arrêter là parce que moi, elle commence à avoir faim, tout ça. Puis il faut qu'elle apprenne le pot à Tom. C'est vrai pour qu'il up plus vite et qu'on puisse aller en JCJ. Eh ben alors c'est bien si tu le fais. Pourquoi tu l'engueules alors que tu fais un... C'est toi qui as décidé de le mettre le boost. Le pauvre. Qu'est-ce qu'elle veut là, Yumi, machin, que je rejoigne quel groupe? Je ne sais pas. Parce qu'il critique ce... Oh, quand même. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il s'éclate sous la pluie. Les avant-gardistes. Ah oui, d'accord. Ta tête que je vais zigouiller. Aïe, 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 c'est beau l'amour. On dirait un vieux couple. Moi, ça y est, le Père Noël, il s'est barré. Moi, je t'aime fort. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce que t'as? Je suis pas comme ça en amour. Ah bah écoute, je ne sais pas, mais a priori, effectivement, ça fait un peu vieux couple. Hein. Bon, vieux couple, il y a un peu vache. Hein. On est plus sur... Comment ça s'appelle Merde, les vieux dans scène de ménage, là. Donc n'oublie pas de m'attraper mon suffurage. Je me disais bien qu'il y avait un truc derrière. Bien sûr. Aïe. Hey! Oh! Je me disais bien qu'il y avait un truc. Raymond et Huguette, voilà, c'est ça. Moi aussi. Non. Non, ça suffit. Je ne suis pas ta mère, Alex. Je te l'ai déjà dit. Je sais pas écrire et je vous crotte, d'accord. Pas de problème. Je t'ai découvert hier et je suis en train de regarder le Lunar Zodiac Challenge. J'adore. Eh ben merci, c'est gentil. Je suis ravie que ça te plaise. Moi aussi, c'est un challenge que j'aime beaucoup. Et je suis contente que ça vous plaise. J'ai eu une petite pause là. Il n'y a pas eu d'épisode pendant quelques semaines, mais là, on est reparti de plus belle. Voilà. Raymond Huguette, je te corrige, je suis généreux. Je t'aime, pas une thème. Ouais, non, mais j'avais compris. J'avais compris que. Ouais. Qu'on n'en était pas là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais ça va pas, sale gosse. Hey. Grave, elle nous avait trop manqué, crime. Moi, tu parles, toi, tu veux juste ton sulfura. Ça va, j'ai compris. Non, parce que la dernière fois en game, t'as un mec qui m'a saoulé et après. Je vais me fâcher, toi. Je sais pas ce que tu veux, mais va chercher plus loin. Eh oh! On se détend. Ok. Enfin, jusqu'à lundi, reparti de plus belle. Il y a quoi lundi? Je sais plus. Insane, je voulais le dead. Ah bah ça. Hein. Et des Madeleines en plus. T'as raison, toi. T'as raison. Il est mignon, lui. Il est mignon. Il est gentil, mais ça va pas être possible. On va mettre ça sur la fatigue, t'inquiète. Tu reprends le boulot. Oui, je reprends le... Oui, c'est ça, effectivement. Enfin, jusqu'à lundi, repartir. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, jusqu'à lundi, merci. Je vais oublier pendant 2 secondes. Moi, je veux le Goélise. Moi, je reprends demain. C'est vrai. Tu es pire que moi, toi. Ouais, non, mais vous m'avez pris pour la banque Pokémon ou quoi? Je fais ce que je peux, hein, mais je les sors pas de mon cul non plus, hein, les Pokémon. Hein, je peux pas. Non, je sais, Pouce, t'inquiète. Je sais. Ah, oh, toi, tais-toi, Alex. Tu es démoralisant. Tais-toi. Bah, du coup, t'es bonne pour faire le ménage parce que ton fils, il a fait Port Nawak. C'est encore bon, ça? Ouais. Allez, hop, au frais. Et ça, non, ça, c'est gâté.
Du coup, mais je sais pas ce que tu veux. T'as mangé, t'as bu, oui, tu vas aller dans la chambre. Mais non, pas dans la chambre. Non, non, non. Non? Bah oui, mais non. Je sens les Pokémon. Je sens pas non plus les Pokémon. Pardon. C'est la fin de la soirée, je me lâche. De ouf, c'était raffinable, je C'est la fin de la soirée, je me lâche un petit peu. Ah non, mais allez, je veux une Goélise, je veux mon Sulfura. Ça va aller. Je fais ce que je peux, hein. Je vais essayer de m'en choper un à moi, si possible, le Shiny. Du coup. Elle s'ennuie, elle. Bah, si le Père Noël était un peu plus avancé, on aurait pu se tenter un petit. Un petit crac-crac là, on va le rappeler. Oui, c'était glamour, c'était raffiné, c'était moi, quoi. Du coup. Oh, mais arrête de jouer avec le fil de mon téléphone, tu vas le faire tomber. Et je vais criser parce que je vais pas racheter un téléphone tous les 3 jours. Oups. Excusez-moi, je suis partie. Et merci Fanny pour le follow. Merci beaucoup à toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Pchit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Pchit. Ses bits. Ses bits nous manquent. Ah oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Pchit. Ses bits nous manquent. Oui, bon écoute, le pauvre déjà, je pense qu'il a donné. Je pense que Pchit, déjà, il a pas mal donné de sa personne niveau bits, hein, quand même. On va pas abuser quand même. On va pas abuser. Ah, ça c'est l'alerte qui arrive 6 mois après. En fait, chaque fois que je regarde le chat, elle se remet à miauler. Faut que j'arrête de la regarder. C'est genre, je t'ai pas vu. Je te vois pas, je sais pas où t'es. Qu'est-ce qu'elle cause? Ah, elle est gentille, elle est belle, mais alors elle raconte sa vie tout le temps. Elle arrête pas de causer. Tu l'as invité, Clément? Il a dit oui. Oui, je sais que tu veux un truc, mais comme je sais pas ce que c'est, t'as à boire, à manger. Tourner ça autrement, ça ferait bizarre. Putain, il a assez donné de ses bits. C'est ça. Ça va, 20 euros, plus que 270 séquelles. Bah écoute, 20 euros, déjà, je trouve que pour. Enfin. Donner 20 euros comme ça à quelqu'un que tu connais pas, juste parce qu'il fait des streams, je trouve que déjà, c'est très généreux. Hein. Enfin. Franchement, hein. Du coup, on l'a pas invité. Je dois vraiment y aller, c'était sympa. Ok, Molly s'est barrée. Bah écoute, on va aller dormir, on le réinvitera demain. Hein. Il a juste donné des bits. Non, ça, les bits, il n'a pas donné. Hein, ou pas à moi, du moins. Il a donné des bits. Éventuellement. Mais il n'a pas. Le reste, il n'a pas. Là là, vous êtes grave. Hein. Il est fatigué, le petit. Hop, tu manges et tu vas au lit. Ah, tu les as pas reçus tout. N'importe quoi. 20 euros, c'est déjà beaucoup. Ah, je suis d'accord, Pousse. Je trouve que c'est déjà énorme. Alors qu'il a rien de plus en m'en... Enfin, il n'a pas grand-chose de plus en me les donnant. Je trouve que c'est très très généreux. Alexandre avec 8 bits, bravo. Ah, mais tu sais, tout le monde n'a pas autant. On n'a pas tous autant de bits que les autres, hein. C'est. Chacun fait ce qu'il peut. Avec ce qu'il a. Bon, du coup. Mais oui, mais je sais pas ce que tu veux. Tu me décales un, bah si possible, si tu me décales. Mais tu veux pas décaler. Tu veux que je me lève en fait.
Non, parce qu'on a atteint un stade avec mon chat, c'est-à-dire que j'ai remarqué maintenant, la journée, quand elle vient me chercher à l'ordinateur, c'est-à-dire elle miaule, donc je la suis. Et en fait, je la suis jusqu'à la cuisine et là, elle se met à manger. En fait, mon chat a envie que je vienne la regarder manger. Ça se trouve, c'est la même chose. Ce chat est chelou. La nature n'est pas toujours généreuse. Je savais que ça allait partir en cacahuète sur les bites. Je le savais, je le sentais venir. Ouais, mais tu sais, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est une mauvaise habitude, ça, ton petit mange dans son lit. Moi aussi, quand je me lève, elle va manger. C'est ça. Mais va manger toute seule, bordel! Marc, tu dois plus avoir à manger depuis ce matin. Hé, mais n'attaque pas mes cartons, hein! Ah oui, mais tu manges trop aussi. C'est pour ça qu'on limite les croquettes. Redésolé, Twitch a bugué. Ouais, genre, t'as vu comment il part comme ça? Genre, il a rien entendu. C'est fou. C'est fou. Ah, en plus, elles en ont. Ah, et plus elles en ont, plus elles sont contentes. D'accord, j'ai compris. Bah, tiens, comme par hasard, quand on parle de tes 8 bits. 8, c'est beaucoup déjà. Faut que j'arrête de vous suivre dans vos délires, c'est pas possible. D'ailleurs, j'espère que vous n'avez pas reçu mon message en double. Si, si, on l'a eu en double ton message. Y a pas de souci. Ah là là. 8 bits, imagine 64 bits, ça fait beaucoup aussi. C'est trop. C'est trop. Ça, ouais. Ça part en live, les amis. Je préfère pas imaginer. J'ai des images qui viennent devant mes yeux qui sont assez horribles. Enfin, bref. Non, tu as raison, vaut mieux pas imaginer. Elle est un peu haute, elle est un peu haute, la caméra, quand même. Voilà. C'est la façon d'utiliser les bits qui est important. On est d'accord, Meryl. On est d'accord. Mordorée, moi aussi. Ah, toi aussi, pousse à les images. Je t'en ai donné plus de 200. Oui, de toute façon, c'est marqué dans le. Tu m'en as donné 243. Ça fait beaucoup. On voit ton esprit mal placé. Ah, bah, c'est-à-dire que oui. Pas trop blancé non plus. Ah, bah voilà. Comme si le décès suffisait pas, elle se tape un moodlet pour jour férié. Eh, bah, on va pas. C'est pas la peine d'inviter le père hiver. Bah oui, en fait, on la voit à partir du deuxième trimestre. Ça part en live, c'est déjà en live depuis le début. Non, ça c'est moche. Ça c'est moche. À 2000, c'est plus une partout. Ça c'est une fête nationale. Ah, mais Alex, il a bouffé un clown avant de venir. C'est. Il est au taquet, Alex. Du coup, la douche. Et puis elle va faire à manger, je pense. Enfin, non, elle va me prendre des restes. Oui, c'est. On est dans le léger, l'humour, le glamour, tout ça. Il y en a qui ont peur des clowns et d'autres qui les mangent. C'est la vie, c'est comme ça. Ah non, je suis pas cannibale. Ah ouais, écoute, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Remarque, c'est bien d'avoir tué Dominique pas très. Enfin, rapidement, parce que comme ça, le moodlet va vite se barrer. Et on s'est pas repris. Comme on avait déjà le moodlet du deuil, on se le retape pas une deuxième fois, et du coup, on va pouvoir draguer Clément plus facilement. Le coup de la fête nationale était pas mal. Oui! C'était léger. T'es clownibale. Oh, pas mal, Lisa, pas mal. Bien trouvé. C'est dommage que je peux les acheter les écouteurs quelque part parce que c'est bien pratique les écouteurs pour remonter le divertissement quand t'as pas un mec sous la main. Grande toile abstraite et après on appellera Clément quand même. Même si on est au bord du suicide. On va au moins monter l'amitié. Ça sera plus facile de conclure une fois que le bébé sera là. Ah bah tiens!
Une erreur du MC Command Center. Faut pas oublier de monter le petit là parce qu'on va vite se retrouver avec. Ah bah tiens, il est là le périvert. On va vite se retrouver avec 45 bambins et vous savez que c'est pas mon kiff. Faire connaissance. Proposer de toucher le bébé. Vas-y, arrête de peindre. Tu veux des écouteurs? Tu veux des écouteurs quand t'as pas un mec? Non. Dans le jeu. Parce que moi j'ai pas précisé. Dans le jeu, voilà, pour remonter le divertissement et le besoin social, je recours régulièrement au crack-crack. Parce que voilà, ça marche bien, ça fait plaisir à tout le monde. Et mais le problème, c'est que comme elle a pas de mec à demeure, le crack-crack, c'est pas autant qu'on aurait besoin. Du coup, des écouteurs pour écouter la musique, c'est sensiblement le même effet. Au final. T'as des écouteurs dans les Sims. D'accord, Alex. Ah oui, mais ça vient avec un pack, ceci dit. Il me semble que c'est celui avec les murs d'escalade. Non, non, ça c'est pas... Là, on est trop loin. Avec le kit fitness. Merci, Lisa. Du coup... Ah, il est mal à l'aise. Ah bah puis dans le couloir tout chelou là. Illuminer la journée. Illuminer la journée. Flatter. Et faire connaissance comme ça. J'ai un CC écouteur, je savais pas qu'il y en avait en vrai. Si, si, il y en a un. Mais faut le kit fitness par contre. Oh, elle a besoin d'une douche elle. Bah non, pourquoi elle pue? Ah non, elle pue pas, c'est l'assiette à côté. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il kiffe la pluie. Cet homme est fou. Bon, ça ira bien avec elle. Hein. Allez, prendre une douche. Hop. Bon, bah, tu peux y aller, Clément. C'est bon. On n'a plus besoin de toi pour l'instant. On te rappellera quand, quand la place sera libre. Quand elle sera plus enceinte. D'ailleurs, je ne sais pas à quel trimestre elle en est, à vrai dire. Non, ça, c'est nouveau bébé. Ah ouais, elle est qu'au deuxième trimestre. Bon, bah, c'est pas pour tout de suite. Depuis quand, quoi? Oh, il fait le ménage! C'est beau. Bon, de toute façon, je pense qu'on va pas tarder d'arrêter le live parce qu'il est quand même minuit et demi, que ça fait... Depuis quand écouter de la musique, c'est aussi bien que crac-crac, crac-crac. Eh bien, écoute, dans les Sims, figure-toi que s'ils prennent autant de plaisir à écouter de la musique qu'à faire des cochonneries sous le lit, enfin, sous le drap, enfin, sous la couette, pardon. Donc, que veux-tu que je te dise? Moi, le Père Noël, quand il passe, il fait pas le ménage. Ouais, mais c'est parce que t'es pas gentil avec lui. Regarde, moi, je suis gentille, et hop, il fait mon ménage, nickel. Bon, les amis, je pense qu'on va arrêter là. On est pas mal, on a déjà tué deux... On a tué deux papas, on a notre premier bébé, le deuxième est en route. On a notre future victime, qui est bien gentille, qui nous fait le ménage en attendant. Donc, je pense qu'on a bien, bien avancé pour un premier live. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau challenge, et que vous allez rester avec moi pour la suite... Enfin, pour les prochains épisodes. Oh, bah écoute, tu fais ça où tu veux, Alex. C'est ce que je te dise, moi. Il prépare même la dinde pour le repas. Bah, on verra bien. On verra ça au prochain résultat. Un début de nouveau challenge qui m'a bien plu. Merci pour cette agréable soirée. Bien belle nuit, crime à tous. Eh ben, merci à toi aussi. Bon week-end et bonne nuit. Merci, Pouce. Et merci, Romain. Merci. Merci à tous. Le coup de bite, c'était ça. Tu sors. Allez, pst, va faire un tour. Merci pour ce live. Ah non, merci, ça va aller. D'accord. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de te connaître, Alex. Donc du coup, bah on s'arrête là. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous à tous. Merci beaucoup. Du coup, prochain live demain matin à 10h sur World of Warcraft sur la web TV d'Aliandras. Je mettrai le lien sur Twitter pour ceux qui ne suivent pas encore. Et sinon, pour les Sims... Alors, la suite du challenge, lundi soir ou mardi soir. Parce que vu que je reprends le travail lundi soir, il se pourrait que je sois
décalquer le soir et que je puisse pas faire de live. Donc je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. Voilà, je vous fais... Je fais plein de gros bisous, j'arrête là parce que de toute façon vous arrêtez pas de dire des bêtises. Donc je pense qu'il est temps que tout le monde aille se coucher. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne. Merci à tous. Oh, 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 oh